Alors, bonsoir, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à cette 12e édition, saison du kiosque à chansons Princeville. Et c'est avec grand plaisir que durant toute cette saison, 12 émissions vont être tournées. Et on a un public, la salle est pleine ce soir et le public est en forme. Êtes-vous en forme? Et vous à la maison, asseyez-vous confortablement. Je voudrais vous remercier de votre fidélité et d'être là à chaque semaine à nous écouter. On le fait pour vous. Et si on vous apporte du bonheur, bien, la mission va être remplie parce qu'on vous prépare une belle, belle saison avec des artistes merveilleux qui chantent avec leur cœur et qui essaient de vous apporter ce petit côté joyeux que d'un fois dans la vie, on a besoin. Mais on est à Princeville ce soir et cette belle activité-là, bien, elle a lieu grâce à quelqu'un qui y a cru il y a 12 ans et qui y croit encore. Alors, j'aimerais accueillir chaleureusement le maire de Princeville, M. Gilles Fortier. Accueillez! Donc, merci Ghislaine. Ça me fait plaisir cette année. Puis, c'est surtout la ville de Princeville qui offre aux gens de Princeville et aux gens de la région une saison estivale remplie de spectacles tous les mercredis soirs ici à la salle Pierre-Prince de Princeville. Ghislaine, tout à l'heure, disait que c'était moi qui avais apporté ça. C'est vrai. Mais j'aurais pas pu me rendre aussi loin si tous les conseillers que j'ai eus depuis les dernières années, depuis ces 12 ans-là, ils m'ont appuyé à toutes les fois que j'arrivais avec un budget pour mettre en place le kiosque en chanson. J'en ai deux ici ce soir, M. Laurier Chagnon et M. Claude Côté. Donc, tout ce que je peux faire pour tout de suite, vous souhaiter un été incroyable. J'adore votre présence. Vous êtes ici à chaque semaine. Puis je rencontre souvent les mêmes personnes. Puis les personnes sont enjouées. Ce soir, je vous ai tous vu arriver. Vous aviez l'air tout joyeux. Donc, on va passer un bel été. Puis, je vous le dis encore, si on veut parler, on va dehors. Si on veut garder le silence puis écouter de la musique, on reste en dedans. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur le maire, pour votre beau travail. Mais j'aimerais faire un petit rappel. Le dimanche passé, on était le kiosque, le premier kiosque était dans le cadre du Festival du cheval. Et ça a été vraiment, vraiment une réussite. Et j'aimerais accueillir Karine Desrochers, qui était là, qui fait partie du Festival du cheval. Et c'était une réussite, hein? Oui, merci, Ghislaine. Vraiment, cette année, au festival, on peut être fier d'avoir eu au-dessus de 31 000 visiteurs, des festivaliers. Oui. Donc, je pense que tout ça, c'est dans la diversité, donc dans la diversité des activités équestres qui se passent dans le manège et aussi la diversité des spectacles. Donc, on en a pour tous les goûts, autant populaire que country. Et grâce à vous, Jean de Princeville, qui a accepté de recevoir tout ce beau monde-là dans votre ville. C'est très, très, très apprécié. J'ai derrière moi tout un comité organisateur, bien sûr, qui travaille très fort au projet. On a de très bons commanditaires qui sont là avec nous chaque année. Et bien sûr, plein de festivaliers. De retour! Bien sûr, bien sûr. On va être de retour. Et là, Ghislaine, moi, j'aimerais ça avoir tes impressions. Comment t'as aimé ça, toi, le kiosque en chanson du dimanche après-midi? Moi, j'ai adoré ça. Pour ceux qui étaient là, Yves Gagnon et Léon Tonk, ainsi que tous les artistes invités, c'était fameux. Et on a eu une belle réception, mais c'est surtout l'ambiance. C'est le fun de mettre son chapeau de cowboy, puis de se sentir un cowboy puis une cowgirl. On avait vraiment le cœur et l'âme de festival.
Et là, on est là pour écouter chanter et je vais faire venir en avant celui qui va animer une partie des kiosques cet été, René Paradis, qu'on accueille. Et à partir de maintenant, bien, la jeunesse prend la place. René, du beau travail. Je te donne le micro et vous, messieurs, dames, passez une belle été. On le fait pour vous. Ghislaine Fortin, mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on lui donne une bonne main d'applaudissements. Parce que c'est grâce à elle également si vous allez voir une pléiade d'artistes. Et là, ce soir, vous allez voir, on a une petite thématique soirée canadienne, je pense. On a un violon, un accordéon. Puis si je me trompe pas, je pense même qu'il y a un de nos invités qui a déjà participé à soirée canadienne. On lui demandera tantôt. Mais là, pour le moment, c'est le temps de swinguer à la maison également. Ici aussi, il faut que ça swingue, là, parce que vous vous êtes ennuyés de tout l'hiver. Là, hein? C'est ça, vous êtes ennuyés de nous autres. C'est le temps de le montrer avec Patricia Marcoux. Ça va bien? Oui. Vous êtes en pleine forme, est-ce que je vois? Je suis contente d'être ici. Merci à Ghislaine. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'être invitée parce qu'ici, j'avais une belle expérience quand j'étais venue jouer, faire un spectacle. On avait eu du plaisir. Oui. Qui était là par main levée, voir? Puis qui n'était pas là? Tiens, ça va me donner des nouveaux visages. OK, bien bonjour, ça me fait plaisir de vous revoir ce soir. J'aimerais saluer aussi les gens à la maison parce que c'est fou. Ghislaine m'avait dit, Patricia, tu vas voir comment les gens écoutent cette émission-là. Puis, tu sais, moi, je ne savais pas à quel point, mais vraiment, vous me faites plaisir. Je rencontre plein de gens qui viennent me voir quand je me promène avec mes spectacles. Je t'ai vu dans ma télé. Fait que bonjour tout le monde à la maison. Ça me fait plaisir. La prochaine pièce que je vais vous faire, c'est une pièce qui se retrouve sur mon nouvel album que j'ai sorti à l'automne dernier. Je vous présente « Faded Love ». »
faut juste que je vous dise, je vous vois pas du tout. Donc, je vous imagine, j'ai vu des gens que je connaissais tantôt. Donc, c'est ça. Vous me voyez bien, vous, hein? La prochaine pièce que je vais vous faire, c'est une valse que vous avez sûrement déjà entendue. Je ne sais pas si on a le droit de danser au kiosque à chanson. En arrière, je vous donne la permission, ça va me faire plaisir. C'est la valse Tennessee, qui se retrouve aussi sur mon nouvel album. Santé. Gorgée. La prochaine pièce, on part en voyage. Où est-ce qu'on va? Est-ce que ça vous le tente de partir en voyage? Ah, puis ça coûte rien, c'est moi qui vous en amène. Toute la gang. Non, on part pas en train. On va avoir besoin de foulard. Est-ce que vous avez un foulard? Il fait du froid. On part en Espagne! C'est parti! Hey, si vous avez des foulards, là, pas de blague, là, mis à part, là, sortez-les de vos sacoches, enlevez-les du cou, faites quelque chose, trouvez un petit mouchoir. Là. Faut qu'on monte à télé, qu'on a du plaisir ici à soir. Vous avez toujours du plaisir? Ben, on branle ça! C'est parti! Thank you.
a une belle chorale ici, Ghislaine. Ghislaine, oui, c'est bon, on me fait des signes. C'est bien. La pièce que j'aimerais vous offrir, parce que quand je fais des albums, j'aime bien composer. Mais pour le dernier album, j'ai pas... je pense que j'ai une composition. Puis cette composition-là, je voulais la dédier à Pierre Tardy. Ceux qui le connaissaient, c'était un animateur qui faisait beaucoup de festivals. Pierre Tardy habitait à Saint-Ferdinand. C'est un peu à cause de lui. En fait, il m'a aidé beaucoup à prendre une place, tranquillement, pas vite, dans les festivals. Donc, je lui ai composé une pièce à sa saveur, je trouve. Donc, ça s'appelle « L'oncle Pierre ». Ce n'est pas mon oncle, mais on l'appelait toujours « L'oncle Pierre ». Donc, je vous offre ma composition « L'oncle Pierre ». Solo de mandoline pour vous dire, vous encourager quand vous aimez quelque chose qu'une personne fait, dites-lui, ça fait toute la différence, comme l'oncle Pierre a fait avec moi, de me donner des tapes sur l'épaule puis me pousser sur la scène à maintes reprises. Merci l'oncle Pierre. Vous savez, Pierre chantait souvent une pièce, ça s'appelait, je ne suis pas bonne en anglais, « Down by the Riverside ». Puis il commençait tout le temps comme ça. Pour ceux qui le connaissaient bien, ils ont déjà entendu ça. Fait que dans ma composition, j'ai fait un clin d'œil, puis j'ai introduit ma pièce avec ce petit clin d'œil. La prochaine pièce que je vais vous offrir, c'est une pièce qu'on me demandait souvent pour mettre sur un album, et c'est fait! Alléluia! Est enfin sur mon album, sur le troisième album que j'ai. Donc, si jamais il y en a qui voudraient m'encourager, c'est maintenant ou jamais, la pièce est enregistrée. Donc, je vous offre
Alléluia. Mesdames et messieurs, on applaudit très fort Patricia Marcoux! Patricia, je t'ai entendu parler beaucoup durant ton spectacle de ton album. Oui. Où est-ce qu'on peut se le procurer, cet album-là? Dans le fond, les gens peuvent m'appeler. Oui. Mon numéro, je peux le dire. Oui, tu peux le dire. 418-428-3270. Ou bien m'écrire par courriel info@patriciamarcoux.com. Et t'es également sur Facebook. Sur Facebook, ben oui. souvent, les gens me font des coucous sur Messenger. Ça me fait tellement plaisir. En tout cas, je peux te dire qu'on a entendu quelques pièces de son album. Puis c'est un album à vous procurer, là, je vous le dis. Là, moi, j'ai encore des frissons pour ta dernière chanson. Merci beaucoup à tout le monde. On l'applaudit très fort encore une fois, mesdames et messieurs. Merci. Patricia Marcoux, oubliez pas ce nom-là parce qu'on va t'en revoir souvent, j'en suis certain. Et là, le prochain artiste que je vous présente... En fait, je pense qu'il n'y a plus besoin vraiment de présentation. Je vous disais tout à l'heure qu'il avait été, entre autres, dans Soirée canadienne. Mario, c'est-tu vrai, ça? Oui, c'est vrai, ça. Hein? Il a déjà fait Soirée canadienne à plusieurs reprises. Donc ça veut dire que c'est pas quelqu'un de plate. Hein? On va se le dire, là. C'est quelqu'un qui aime ça swinguer. Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on accueille très fort Denis Côté! Rentre une place
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout le monde se lève debout. Et là, c'est le party, oui. Ça reste pas ici assis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Là, c'est le party, ça frappe dans les mains. Et oh, vous souriez tout le temps. Car vous ne serez jamais si la caméra sera sur vous. Tout le monde danse et met tout le monde en tête. Chanson de Paul Brunel, ça. C'est Paul Brunel qui chante ça. Et moi, j'ai eu la chance de faire des tournées avec ces gars du country ainsi que mon ami Tibla Richard. Chien barbette là-dessus. Là. Tu sais, le petit chien qui se gaule après la patte, là. Mon père m'a donné un cheval, de tout comme vous, il est amarré comme un cheval. Avec un dégât et que vous, c'est d'être un petit oiseau. C'est d'être un petit oiseau qui a de la plume par-dessus le dos.
et un cochon, tout comme vous, collé comme vous. Moi, je pense que c'était vous, il faisait. Non, un vrai bout, un vrai cochon. À la maison, à la télévision, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est ici pour faire le party, amusez-vous. Mario, envoie le vrai cochon. Et là, on va enchaîner avec un petit morceau. Ça a été popularisé par Charlie McCoy. Ça, Charlie McCoy, c'est un joueur d'harmonica. Ça a été le meilleur harmoniciste qu'il y a eu au monde. C'était Monsieur Nashville. Quand vous attendez l'harmonica dans les chansons country américaines, je dis bien, c'était Charlie McCoy. Il a fait un reel qui a été popularisé par nul autre, celui qui a fait 4 fois le tour du monde. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avec un monsieur qui s'appelait Gilbert Bécaud. Monsieur Pointu avec le Walking Bird, l'oiseau macaire, ouais! Je joue tellement fort que la note est partie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est ça quand on met du cœur au ventre, ah oui, OK!
Là, je change l'accordéon, je viens de briser la grosse. Ben, prends la petite. Je suis là, je prends la petite. Quand je pars de la maison, j'apporte, je laisse la grosse en maison, j'apporte toujours la petite. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde de l'extérieur? Oui? Bienvenue à l'intérieur. La rue Saint-Anne, la vraie version de la rue Saint-Anne. On va faire un peu de temps. Parle-lui un peu de Mario. Bon, Denis, tu vas nous faire un peu le retour du folklore, hein? Oui, faire un peu le retour du folklore. Retour dans le passé, puis comment ça se passait au début de ta carrière? Oui, on va commencer ça. Alors, tout le monde m'a vu, bien sûr. Moi, j'ai commencé en 73 à l'émission de À la canadienne, qui est animée par André Lejeune, hein? Mais avant ça, c'était Pierre Daigneault, le père Ouvide. À la canadienne, nous serons ce soir. Puis après ça, il a fait l'émission de Monsieur Pointu, s'il vous plaît, qui a duré un an. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent vraiment de ça? Après ça, je me suis en à Sherbrooke. Deux ans de temps pour remplacer le regretté Tiblan Richard. Ça s'appelait Dans tous les cantons. Qui est animé par Jean Collard et Louiselle Forcier. Vous vous souvenez de ça? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de 80 à 83, c'était l'émission la plus écoutée sur le réseau TVA. On appelait ça dans ce temps-là à Télémétropole, Canal 10 à Montréal. Et ça passait tous les samedis soirs avant la game d'hockey. Ça a duré 25 ans, l'émission de Soirée canadienne, et j'ai eu la chance de faire partie durant les trois dernières années. C'est Louis Bilodeau, et ça me prend absolument le petit côté de Sainte-Christine. Parce que moi, j'étais un natif des petits gars de Sainte-Christine de Portneuf, qui est situé entre où demeure mon ami Mario, Saint-Marc-des-Carrières et Saint-Raymond. C'est un petit village à peu près de 85 de population. Et puis, c'est sérieux ce que je vous dis. Oui, c'est vrai, ça. Alors, là, moi, du sport, j'ai jamais fait ça. Je jouais au hockey, puis tout ça, là, on était deux. Alors, la ligne n'était pas faite pour jouer. J'ai jamais patiné, je sais pas patiner. Ben, j'aurais aimé ça au coton, après ça, j'ai fait... C'est pas payé dans le patin. Le patin, oui, très bon, du patin. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et c'est ma grand-mère, parce que moi, j'étais un enfant très agité. Si le Ritalin aurait existé dans ce temps-là, je ne l'aurais pris, c'est sûr. J'étais haïssable, puis pas à peu près, puis je le suis encore. C'est ma grand-mère pour le seul moyen de me garder à la maison. Mon père bûchait dans le bois, il passait les hivers partis. Et puis, il y avait une vieille accordéon. Et puis là, ma grand-mère, elle dit, « Denis, je vais te montrer une petite pitoune. » Est-ce que vous voulez entendre la première toune que j'ai apprise, puis j'ai parti avec ça? Regardez bien ça. Là, on se recule, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je suis né en 1950. J'aurai 69 ans le 15 de juillet. Et là, je vais virer bout pour bout, c'est vrai. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on se rapporte sur la galerie de Sainte-Christine chez Tizot et Cécile en 1956. J'avais 6 ans, OK? Imaginez-vous le petit blond. J'avais les cheveux blancs-blancs. Blancs-blancs comme du lait. Puis ça ressemble encore à ça. Oui, ils sont encore blancs. Ils sont comme les tiens. Les miens sont lustrés. C'est différent. Regardez bien ça. Bon. Attention, Mario. Grâce à ce morceau-là, ben, mon ami Yves, mais t'es donc bien fin. Mon ami Yves, t'es donc bien fin. T'es donc bien gentil. Yves Gagnon, vous savez que c'est un très bon musicien, hein? Vous le connaissez, ça fait longtemps que je connais ça, moi, mon ami Yves. Oh! 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 On avait commencé à Saint-Valère, à la cabane à sucre, l'érablière rouge, ou l'érable rouge, comme chose de même. L'érable rouge, vous vous souvenez de ça, ouais? Puis là, après ça, après cette tune-là, là, ma grand-mère, tu joueras point que c'est la toune, ça s'appelle « Oui, je l'ai vu, la petite fille à ma tante. Oui, je l'ai vu, mais je la verrai plus. » Tam, 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 ça. Un bon public. Oh, ça sonne bien, ça aussi. Bon, bien, côté, lève ça. Puis là, après ça, ben, il va falloir t'apprendre une toune. Mais là, on va vous faire un petit pot pourri de toune
pas très long, parce que je ne veux pas vous tenir avec ça. Parce qu'après ça, moi, vous chantez des chansons, vous allez pleurer. Sûrement, vous avez tellement honte d'attendre cette belle voix. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette voix en or, cette voix du Québec qui vous aime. Là, on s'en va avec des vieilles tonnes. La Marquini, la Marquina. Connaissez-vous? Comment ça s'appelle? T'es bête, bête. Qu'est-ce que tu as dans la tête, tête? Les festivals cet été? Oui, j'en fais pas mal cet hiver. Et puis, oui. On est en train de préparer un spectacle. Il va y avoir une surprise avec une fille de la région ici, là. Aha. Marie Saint-Pierre, Madame Christian Boisvert. Donc, on suit Facebook pour les détails. Il y a quelque chose qui s'en vient. C'est bon, merci Denis. Toi, René, excuse-moi, René, je voudrais te féliciter pour le travail que tu fais. Là. C'est excellent. C'est toujours un plaisir. Je veux remercier également Ghislaine Fortin, la directrice artistique de l'émission. Oui. Je veux remercier évidemment la ville de Princeville parce que sans eux autres, on ne serait pas ici. Je veux remercier la télévision communautaire, Thierry, ainsi que... J'ai un blanc de mémoire, je savais que ça allait m'arriver. Pardon? Jacob, c'est ça. Donc, Thierry et Jacob, c'est des nouveaux cette année, hein, c'est ma première. Donc, on va faire une empreinte dans notre cerveau pour avoir le bon nom. Je veux remercier également vous, le public, parce que si vous étiez pas là, nous autres, on serait pas là. Je veux remercier Yves Gagnon, la sonorisation, Marc Dargy. Toujours un plaisir, les gars, de travailler avec vous autres. Je suis très content de faire partie de la nouvelle saison. Et évidemment, je remercie aussi vous à la maison parce que c'est grâce à vous si on est là. Depuis combien d'années, Justin, tu me dis tantôt? 12 ans déjà. Hey, comment ça fait d'années que je viens ici, moi? 12 ans. Ça fait 12 ans, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et merci voilà. Pour la confiance que vous avez eue envers moi. Oui. Et là, on se dit, nous autres, à la semaine prochaine, en musique, David Bernacchi, et je vous ferai une couple de petites chansons. Mais là, la soirée n'est pas terminée. On continue avec Denis Côté et Mario Paquette. On les applaudit, mesdames et messieurs. Merci beaucoup.
la soirée canadienne, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et ce soir, nous étions dans une belle paroisse, un beau village, une belle ville, qui s'appelle Princeville. Salut Princeville, à la prochaine.